Noël, c'est de la merde. Il est un peu éclaté, ouais, le sapin. Il est un peu éclaté. Un sapin, tu sais combien ça coûte, un Norman? Ça coûte au moins 3 millions d'abonnés. Non, pas le youtubeur. J'ai volé un SDF dans la rue. Mon sapin de Noël, je l'ai piqué, t'es SDF. Tous les pouvoirs d'achat et tout. T'as une femme qui t'aime bien, toi. Pas comme la mienne. Hein. Je sais même pas si je vais l'inviter cette année, tu vois. Elle est là parce que je vis avec elle depuis 30 ans. Donc. Si t'invites que ceux que t'aimes bien, famille, ça part, les parents, ça dégage. Le cousin que tu vois que le dimanche, Le Père Noël, c'est une invention de Coca-Cola. Tout le monde sait ça, qu'il n'existe pas, le Père Noël. J'ai envie de lui mettre des pêches à chaque fois. Mais bon, je vais rien faire, il est en fauteuil roulant, qui je vais mettre des patates à un handicapé, ça se fait pas, surtout le jour de Noël. Il y a ma femme qu'on invite aussi cette année, on va essayer de l'inviter aussi. Donc moi, mes parents sont d'extrême droite et les siens sont d'origine marocaine. On va passer un bon Noël. Je vais essayer d'avoir un Luna et de mettre une caméra pour le repas, ça va faire du buzz. Ça va faire de l'audience, si tu vois ce que je veux dire. Alors cette année, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une truite. À ma mère, je lui ai pris un petit bracelet. C'est truc à 20 balles, ce truc à la cour. Et tu glisses un petit peu dans l'enveloppe, tu dis salut maman, joyeux Noël, tu lui serres la main. Si tu aime bien. Et ta copine, tu l'as acheté quoi? J'ai pris une Ford Mustang. Puis la daronne, elle n'est pas trop à l'abri, mais au moins elle aura un petit bijou. Moi, à Noël, quand j'étais petit, j'avais une orange. Si j'étais sage, j'avais une tarte dans la gueule. Ça, c'était le cadeau, tu vois. Oh, bah, je dois faire des cadeaux, je dois me ruiner. C'est commercial, Noël. Réfléchissez. Vous voulez acheter l'album d'Orelsan? C'est ça que vous voulez? Un adolescent de 50 ans qui vous explique la vie, qui vous fait croire que c'est cool de lire des mangas? C'est ça, Noël, au final? Pas pour toi, les cadeaux! Pas pour toi! Noël, c'est écrit par Orelsan. J'avais vu ça dans un reportage. C'était Coca-Cola qui créait des fausses grand-mères qu'ils envoyaient à des réveillons juste pour placer Coca-Cola. Et la grand-mère, parfois, elle explosait à table. Commence pas à me dire que les gens faisaient des cheminées pour se réchauffer l'hiver. Tu crois au Bernard? Et toi? C'est toi qui vas faire le dîner de Noël, du coup, ou tu vas acheter par exemple? Pète les couilles. Je vais faire deux kiwis. S'ils sont sages en dessert, une bonne tarte dans la gueule. Entre la bûche et... La bûche a été inventée par Orelsan.